huile 100% arachide, c'est notre huile. Nous avions présenté devant vous ici le résultat des opérations menées par la commission mixte de désarmement. Après la petite présentation, la commission a poursuivi ses activités à l'intérieur du pays. Ainsi, du 16 novembre 2021 au 6 janvier 2022, soit en deux mois, 513 armes de toutes marques sont saisis des mains des détenteurs illégaux. Ce que nous avons l'honneur de vous présenter ce matin. Toutes ces armes seront mises à la disposition de la DRS après la cérémonie. Depuis le début des opérations de 31 juin 2020, la commission mixte de désarmement a saisi pendant 6 mois et 6 jours au total 2834 armes de tout calibre confondues. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu ici de réitérer nos hautes reconnaissances au président du Conseil militaire de transition et au gouvernement de transition pour cette initiative très salutaire, qui ne vise qu'à garantir la sécurité des Tchadiennes et des Tchadiens, et aussi pour les moyens nécessaires mis à notre disposition pour l'accomplissement de notre mission. Nous voudrions aussi, par la même occasion, féliciter, encourager nos forces de défense et de sécurité, l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade, la police nationale, le haut commissariat national du déminage, composant la dite commission de désarmement pour un travail. Pour finir, lançons un vibrant appel à tous ceux qui détiennent illégalement les armes de les déposer à la commission et à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de réussir cette opération pour la quiétude, pour que la quiétude revienne totalement dans notre pays. Pendant la mission des armements, on est à Lyon, pendant la mission des armements, au niveau de la finance, on est à chez les armements, on a dit que